Alors bonjour, nous avons organisé pour la deuxième fois une brocante au sein du Vuitton et du Belvédère. Ça ouvre les portes sur l'extérieur en fait, ça nous fait du passage dans l'établissement. Ça rend la vie des anciens, si je ne me trompe pas, un peu plus vivante de voir tout ce monde qui circule dans l'établissement aujourd'hui. Et nous avons la brocante des résidents, donc le principe c'est que ce sont des objets qui ont été offerts par les familles ou le personnel. Depuis 2-3 mois, on met des affiches et les gens ont vraiment bien joué le jeu. Et donc, le principe, c'est qu'il n'y a aucun prix. C'est au bon vouloir de chacun et tout ce qu'on va gagner est au profit de l'animation pour qu'on sorte, qu'on aille au restaurant, qu'on fasse des sorties. Donc, c'est vraiment le principe de cette journée. Dans les peines, mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un... En effet, nous avons fait pour la deuxième année une journée porte ouverte qu'on a mutualisée sur les deux établissements d'Algrange, donc parce qu'on est tous les deux un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la même commune. Donc le but c'est de mutualiser cette grande journée pour pouvoir permettre en fait de visiter aussi bien l'un que l'autre. Le but de cette journée, comme Nathalie le disait si bien, c'est donc de faire venir les gens de l'extérieur pour savoir ce qu'est un EHPAD. Bien souvent, on n'a pas vraiment connaissance de ce qu'on y fait, comment que ça se passe. Donc il y a différents exposants extérieurs, comme vous avez dû le voir sur le parking et donc jusqu'au Belvédère. Et donc la brocante des résidents, où là, c'est les résidents eux-mêmes qui travaillent. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir sur l'extérieur, de montrer qu'en EHPAD, eh ben, y a de la vie. On est là pour donner, comme on le disait avec Nathalie, de la vie aux années et pas des années à la vie. Ici, on en profite, on s'amuse, on rigole. On a voilà, tout le temps des activités, des animations diverses et variées parce qu'on a la chance d'avoir une super animatrice dynamique et qui est vraiment à l'écoute des résidents. Les résidents sont en train de monter actuellement une pièce de théâtre qui représente l'EHPAD. Le but, c'est vraiment, encore une fois, d'expliquer ce qu'est un EHPAD, de montrer que voilà, on peut y être très bien et on peut bien vivre en EHPAD. Je m'appelle Gaston et je suis fier de l'être. Et je suis heureux d'être ici parmi mes copains et copines. Et bonne directrice qui m'intéresse bien. Oui, je suis très contente, oui. Ça se passe très très bien. 99 ans. Bientôt 100. Dans 4 mois. Ben, je suis très contente d'être ici, sinon à la maison je serais toute seule. Ouais. Et ici je suis très 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 bien, surtout avec Nathalie. Voilà, merci. Ben, moi je dis comme Henriette, on est très bien, on passe une journée formidable et puis il faudrait que ça recommence encore, demain. Tous les jours. C'est une belle journée pour le Belvédère. Très, très bien. Très beau. C'était sympa. Et je conseille à toutes les personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui de venir faire un tour. Allez, à la prochaine! Hier encore, j'avais deux amis. Le premier s'appelait Buddy. Hier encore, j'avais deux amis. Et l'autre